trois maquettes de tortues en trois dimensions. Trois espèces que l'on retrouve sur nos côtes et qui sont soignées ici, à l'aquarium de La Rochelle. Il a fallu plus d'un an pour les fabriquer. L'objectif, c'était pour faire en sorte de sensibiliser un maximum les personnes qui allaient intervenir sur le terrain et qui allaient être nos yeux et nos mains, qui puissent vraiment appréhender la dimension de l'animal, mais également sa fragilité par rapport aux différents membres et également à l'anatomie interne de la tortue, qui est vraiment très particulière. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est une première mondiale. Et ces trois répliques ont même été présentées hier par visioconférence au colloque international pour les tortues marines en Colombie. Il existe de nombreuses planches anatomiques, de nombreux tutos, mais il n'existait pas vraiment de maquettes. Et c'est vrai que les tortues marines sont des espèces marines protégées. On ne peut pas les manipuler dans n'importe quelle circonstance et par n'importe qui. Donc quoi de mieux que d'avoir quelque chose en taille réelle pour mieux sensibiliser le grand public, mais aussi toutes les personnes qui vont participer à leur prise en charge. On se rend compte qu'il existe donc 9 os, avec donc le 9e qui est ici en forme de poignard et qui est situé vraiment juste sur le cœur. Donc ce qui fait que lorsque l'on va avoir affaire à des tortues qui sont fragiles, qui sont très maigres, etc., si on fait une mauvaise manipulation, ce poignard peut crever le cœur. Un an de travail, de process pour arriver à une impression 3D et une peinture à l'identique. On a fait très attention justement à reproduire quelque chose de très précis et qui correspond en fait à des animaux qu'on a déjà eus ici dans le centre de soins. À peine sorties, ces maquettes de tortues vertes de Kump et Kawan sont déjà très demandées, notamment dans les dom-toms, que ce soit à Mayotte, en Polynésie ou en Martinique.